C'est une immense foule qui accueille le président du MRC, Maurice Kamto, à l'entrée de la ville de Bafoussam, capitale de la région de l'Ouest Cameroun. Les militants sympathisants et autres curieux ne cachent pas leur émotion ce 7 novembre. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun est venu réconforter les victimes de la catastrophe naturelle de Nguache. Moi, c'est Mani Femme Florence, président national de MSC des femmes. Vraiment, le président a ses jours à Bafoussam, le président. Il est venu se réveiller. Dès qu'un président veut arriver sur le lieu, je crois que tous les Camerounais sont appelés à venir l'accueillir, puisque c'est un homme de bon foi, c'est un homme de bonne volonté. Il nous montre les exemples palpables dans notre pays. Toute la population de Bafoussam, toute la population de l'Ouest, et vous voyez derrière vous, derrière nous, tout le monde qui draine derrière lui, eh bien c'est l'impression que tout le monde est derrière le professeur Kamto. Et donc, comme c'est un papa patriotique, un père de la nation, il est venu donc justement s'incliner comme tout le monde. Il était anodin de ne pas venir ici. Alors nous sommes accompagnés de notre président élu, le président national, le professeur Maurice Kamto, qui est juste derrière nous, avec tout ce protocole, tout ce monde que vous voyez là. Nous sommes en train de préparer sa descente dans le site de Nguache. Pas moyen d'arriver sur le site du drame. Trop de monde et pour éviter tout débordement, le président Maurice Kamto est obligé de s'arrêter à Nguache Centre. Un dispositif était déjà mis sur pied pour le recueillement. Avant d'arriver à Bafoussam, le cortège du président du MRC a été stoppé pendant tout le parcours. Makenene Baganté ou Banjoun, tout le monde voulait le toucher du doigt. Le MRC est l'une des premières formations politiques à avoir adressé par un communiqué des condoléances à l'endroit des victimes de Nguache au lendemain du drame. Une équipe a même été mandatée, conduite par la deuxième vice-présidente, pour soutenir les victimes. Le président Maurice Kamto est annoncé à Douala ce samedi 9 novembre pour un meeting qui a été interdit par les autorités.